les incivilités dans le monde sportif et le monde collectif, en particulier le football, les incivilités, ça touche, ça traumatise, en particulier les arbitres. Ceci dit, le football, pour ce que nous représentons, nous véhiculons un message au-delà de la tolérance, un message d'abord du respect de soi, le respect des autres, le respect de l'environnement. Ce sont des thèmes qui sont inculqués dans les écoles de football, dans les clubs, par les éducateurs, par les dirigeants. Fille de 15 ans qui évolue contre l'Alsace mercredi prochain sur le terrain de l'APM de Metz. Donc les deux sélections auront aussi ces bracelets. Et puis on profite aussi d'un événement du calendrier puisque évidemment ça fait un peu moins de bruit que le derby masculin, mais ce week-end il y a le derby féminin en deuxième division au stade Saint-Symphorien à 15h. Et donc la 2000e licenciée qui donnera le coup d'envoi sera affublé des bracelets ainsi que des joueuses de Metz et de Nancy, donc pour symboliser cette vision autour du respect sur le terrain qu'on espère retrouver ce dimanche. La Ligue est personnellement, et c'est un avis partagé par tous les membres du comité, avec bien sûr la direction technique régionale avec Patrice Gretten, qu'on souhaite c'est que les éducateurs soient le relais de notre politique de lutte contre les incivilités, pour que les incivilités elles soient réduites à minimum et qu'on n'atteigne pas justement cette forme d'agressivité, de violence qui, bien que on l'a dit tout à l'heure, le pourcentage est très faible, mais 2% c'est encore beaucoup trop, et je crois qu'on doit s'inscrire dans cette démarche de faire d'une pratique du jeu. Après tout, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes, je dirais, qu'un résultat gagné ou perdu. Bon, tout d'abord, un petit coucou aux amis lorrains chez qui j'arrive. En tout cas, merci pour l'accueil de la part du football lorrain, du corps arbitral. J'avais déjà beaucoup d'amis et je rencontre des personnes très intéressantes. Et puis aujourd'hui, c'était une première pour moi, puisque sollicité sur la semaine du respect et des incivilités. Et puis nous, en tant qu'arbitre, ça nous parle forcément sur les terrains de foot, qui plus est en Ligue 1. Malheureusement, c'est pas toujours le bon exemple qui est donné par les professionnels. Mais en tout cas, si on peut faire passer un message sur qui nous sommes, quel rôle nous avons, comment on gère ces conflits sur les terrains, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas ce matin ici au Kinépolis. Et puis d'échanger, d'écouter l'autre, c'est toujours intéressant. Donc pensez aux arbitres, laissez-leur une chance de se tromper. Tout le monde se trompe sur les terrains de foot. Et en tout cas, une bonne saison à tous.